Avant de commencer les invocations sur le nouveau Freezer Élève, je tiens à vous rappeler que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit. Vous pouvez retrouver le lien du site dans la description de cette vidéo et profiter d'énormes promos. Il y a plusieurs jeux pour plusieurs consoles, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mais aussi PC et pas mal de jeux Pokémon. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de me réintéresser à Pokémon et du coup, c'est plutôt vraiment très intéressant. Donc, n'hésite pas à te faire plaisir. Yeah! Yo tout le monde, ça fait le geek et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Vision Z pour partir en invocation pour le nouveau Freezer Full Power Legendary Finish. Alors voilà, il est arrivé, on va pas se mentir, c'est pas la grande hype, c'est pas le perso que tout le monde attendait, on va pas se mentir, hein, voilà, comme j'ai pu vous le dire, je vais invoquer un petit peu, mais je vais pas trop forcer. On va espérer l'avoir rapidement. Si on ne l'a pas, tant pis, c'est pas grave, on passera à autre chose. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais sur l'artwork, bon, après, il y a la censure, etc. Regardez, ça s'arrête au niveau des pectoraux, parce que normalement, Freezer, quand il fait cette attaque sur Goku, eh bien, il est coupé en deux. Et là, tu vois, ils ont voulu mettre un petit style genre clin d'œil dans la posture. On a pensé à vous, quand il est coupé en deux dans le manga, tu vois, malheureusement, on ne peut pas se permettre de le mettre dans le jeu, tu vois. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. L'artwork, en plus, je trouve vraiment beau. Dans le détecteur, voilà, il y a également le Freezer LF, le Goku Namek LF. On a le Kid Buu LF. Ça, c'est vraiment très intéressant. Le Kid Buu LF, on le rappelle, il est vraiment très très fort. Broly, bon, bah, pas besoin de le présenter, hein. Broly, le perso complètement débile qui est incroyable. Vraiment, en PVP, ça casse de la bouche. Le Goten LF, ok, pourquoi pas. Gohan SSJ 2 LF, bien sûr. En Zenkai, pourquoi pas avoir des doublons. Bon, Goku Blue Revive, pff, je m'en fous. Hit, allez, pourquoi pas, parce que c'est vrai que Hit, quand même, il fait vraiment très mal, mais c'est pas non plus ma priorité. Et le nouveau Goku EX. Alors, par contre, tu vois, contrairement à l'artwork de Freezer, je sais pas, j'ai un souci en fait avec l'artwork du Goku EX. Je sais pas si pour vous ça vous fait la même chose, les gars. Regardez son visage ici et regardez ses cheveux, comment ils sont décalés sur le côté droit là. Tu sais, normalement, tu vois, tu fais partir les cheveux ici, tu vois, là, ils sont partis loin. J'ai l'impression que sa tête, elle est décalée avec les cheveux. Et puis, pareil pour le bras, là, l'avant-bras, on dirait, il a limite presque pas de poignet. C'est pas le meilleur des artworks. Voilà, on va pas se mentir. Voilà, l'artwork est à revoir. En tout cas, c'est mon point de vue. Dites-moi, vous aussi, ce que vous pensez de l'artwork. Bon, c'est très simple. Ce qu'on va faire, on va partir en invocation. Je tiens également à préciser, on a les médailles. Parce que c'est un nouveau système de step-up. Au cas où, si vous avez raté les informations, sachez que à chaque fois que vous faites un step-up en entier, vous allez récupérer des médailles. Et ces médailles vont être à échanger dans le marché. Juste ici, 5... À chaque fois que vous faites le tour d'un step-up, vous allez récupérer 5 médailles. On le sait, 50 médailles est égal à 40 000 cristaux. Voilà, tu auras fait 40 500 cristaux exactement. Tu auras fait le tour de tout le step-up, tu peux avoir le Freezer. Bon, moi, je vais pas aller jusque-là. Hein. Ça en vaut pas la peine, ça en vaut pas le coup. Ça sera un migaté maîtrisé, je dis pas, tu vois. Mais là, voilà, Freezer, il est cool, le perso. Hein. C'est pas le problème, comme j'ai pu le dire hier en live. Franchement, le perso, il est cool. Il m'a l'air vraiment très fort, en plus. Mais, voilà, je vais pas mettre 40 000 cristaux pour lui. Après, au final, certains disaient... Ouais, mais c'est pas normal, ils ont viré le Ticklist Parking Guarantee. Non, au final, c'est toi qui décides. Si tu penses pouvoir aller jusqu'aux 40 000 cristaux, eh bien, tu pourras mettre tes cristaux pour avoir la pitié, ce qu'on appelle la pitié, le perso garanti arrivé aux 50 médailles. Ou si tu sais pertinemment que tu n'iras pas jusqu'aux 50 médailles, eh bien, à chaque fois que tu fais le tour d'un step-up, tu vas récupérer ton ticket Sparking Guarantee un petit peu comme c'était le cas déjà dans les anciens step-up. À chaque fois qu'on faisait le tour d'un step-up, vous aviez un perso Sparking Guarantee. Voilà, et bien là, ça sera la même chose. Ou sinon, si jamais tu as 30 médailles, tu peux déjà avoir 600 PZ LF. Voilà, et après 200, etc. Enfin, il y a quand même des petites récompenses, mais on va pas se mentir, ça vise principalement les cash players. Hein, voilà, c'est pas les free-to-play qui vont être avantagés là-dessus, sauf si derrière, Freezer, c'est ton perso préféré, tu vois, dans l'univers de Dragon Ball. Là, après, chose que je peux comprendre. Bref, les amis, maintenant, c'est parti, on part en invocation. Je vous ai fait le petit résumé, voilà, de ce nouveau step-up. Et comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas, les petits pouces bleus en mode Genki d'abord. On est parti, 3, 2, 1, yeah. Allez, c'est parti, s'il te plaît, le jeu, fais-nous plaisir. J'aimerais bien qu'il tombe. Comme ça, je suis tranquille. Oh non, oh franchement.
3 capsules, c'est... Non, 3 capsules, non. 3 capsules, c'est abusé. Bon, attends, il prend le dessus. Mais 3 capsules, c'est pas foufou. Glissé rouge, donc IX garantie. Ah, sparking, ça va. Ça va, ça va. Je me suis dit, on commence mal la première multi. Ça va, ça va. Là, déjà, on sait qu'on a un sparking. Ah bah, bon bah voilà. Comme par hasard, l'artwork que je trouve claqué, hein, je vous ai dit, je trouve pas très beau ce Goku. La tête décalée, tu vois, les cheveux décalés. Enfin, ouais, voilà, vous regardez la caméra, voilà, les cheveux décalés là, la tête un peu décalée. Ah, je le drop direct, dès le premier perso. C'est comme celle couche culotte, j'aime pas l'artwork. Comme par hasard, je le drop à chaque fois, tu vois. Donc voilà, allez, let's go. Kit de Gohan EX, pas mal dans la team Métis, il a une bonne cap Z. Ok, encore un EX. Ok, encore un EX, ok, très bien. Oh oui, si, ça par contre, ça, je prends. Et là, oui, là, j'aime l'artwork, tu vois. Ok, Kame Sennin qu'on aimerait voir en sparking, le sparking. Voilà quoi. C'est Vegeta Zenkai. Bon, moi il est Zenkai 7, hein, il n'y a pas de problème. Ah d'ailleurs, bah tiens, il passe 14 étoiles, non? Peut-être? Ah ouais, il passe 14 étoiles. Bon, en soi, pourquoi pas? Au moins, ça y est, mon Zenkai, il est 14 étoiles. Voilà. Même si je le joue pas en ce moment. Pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Hop, du coup, on a récupéré la médaille. La médaille du step-up. Allez, on est reparti. Deuxième invocation, les amis. 3, 2, 1. Liké! Allez, c'est parti! Allez, s'il te plaît, le jeu. Donne-moi Freezer élève. Freezer élève, comme ça, emballé, c'est pesé. Non, il n'y a pas de capsule. C'est un truc de fou. Depuis l'arrivée du Gohan Revive LF, j'ai pas de chance. J'arrive pas à avoir le Gohan LF Revive. Là, regardez, sur les invocations de Freezer, ça a l'air compliqué. Oh là là, là, il n'y a rien. À moins d'avoir un fake out. Là, il n'y a rien. Encore un EX, ça, par contre, c'est bien. Totepo, très bien. Ok, bon. Je pense que celle-là, ça va pas être folichon. Ça va pas être folichon. Dites-moi, vous aussi, dans les commentaires, si vous avez chopé du lourd ou non. Si vous avez eu le Freezer, voilà, ça m'intéresse. Hein. J'aime bien savoir à chaque fois les gens ce qu'ils dropent ou ce qu'ils ne dropent pas. C'est toujours assez intéressant. Sauzer, voilà, allez claquer au sol. La vérité, voilà, c'est claqué au sol. Tu vois ce que je veux dire? C'est claqué au sol. Allez, là, c'est IX ou plus garanti. Espérons du plus. Du plus plus. Du LF plus plus. Tu vois ou pas? Ok! Allez, c'est parti, s'il te plaît, le jeu. Allez, 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 s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Oh, 5 capsules. On n'est pas, dans l'espace, on n'est pas dans les montagnes. On est frère sur Namek. Allez, Namek, il est même pas en feu. Ah, glisseur, sparking garantie. Let's go. Il n'y a pas de Broly. Ryuken? Non, même pas. Ok, bon, déjà, il y a le glisseur, donc là, c'est sûr, c'est sparking garantie. Nayex, ok, pourquoi pas. Videl, non, j'en veux pas. J'en veux pas. Yamcha, j'en veux pas non plus. Virus aussi, ça fout quand, ça dégage. À la cantine, voilà, vas-y, vas-y. Va faire de la marelle, Slug. Let's go, c'est qui le sparking? Moi, c'est le sparking qui m'intéresse. C'est qui? Bon! J'en ai marre. J'en ai marre de ces sparkings là, éclatés au sol là. Oh là 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 là. Mais la tristesse, les amis. Franchement, c'est ouf. La tristesse du bordel, toi. Oh là 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 là. Oh là là. Franchement, c'est. C'est abusé. Bon, on prend les médailles, hein. On prend les médailles. Allez. Attendez. Parce que là, c'est vrai qu'on s'excite, tout ça. J'ai oublié une chose. Détecteur, les amis. Détecteur. On clique sur sa tête. Allez, let's go. On revient. C'est parti. 3, 2, 1. Yeah! Allez, c'est parti, le jeu. Allez, palier numéro 4. S'il te plaît, le jeu. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Non, mais là, il n'y a pas de capsule, frère. Non, franchement, c'est abusé. C'est quoi ces invocations? C'est quoi ces invocations? Vas-y, appelle-moi Whis, appelle-moi qui tu veux. Mais fais quelque chose, là. Oh non, franchement, ça, faut arrêter. Franchement, faut arrêter. Là, je suis sûr, regarde, j'ai rien. Là, j'ai rien. J'ai rien. À moins d'avoir un fake out, tu vois, j'ai rien. La vérité, c'est abusé. C'est quoi, ça? Mais attendez, on met pas de l'argent pour ça, quand même. Faut arrêter. Non, mais Théma,
Fuléro, je paye pour ça, moi. Non, mais regarde. Je paye pour ça. Je mets de l'argent pour ça, 1000 cristaux. Comme ça, Fuléro. Ah non, franchement, là, c'est de la zeub. Faut arrêter. Franchement, faut arrêter. C'est trop, ce shaft. Franchement, c'est trop. C'est indécent. Niqué. J'en ai marre. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est un gacha, on sait très bien. Ah, Namek en feu, 5 capsules. Namek en feu, 5 capsules. Voyons voir. Il prend le dessus. C'est déjà mieux. Glisser hors, parking garanti. Broly. Pas de Broly. Il le défonce, très bien. Donc là, on sait qu'on a un sparking. Maintenant, quel sparking? C'est ça aussi le truc. Quel sparking on va avoir? Green, Vegeta, Goku. Oh, t'as laissé, frère. Ouais, la vérité, c'est abusé, c'est honteux. Franchement, c'est honteux. Là, la vérité, regardez le step-up que j'ai fait. 4500 cristaux. On a quoi? 4500 cristaux. Hein. Voilà. Bon bah voilà, moi j'avais dit j'allais pas forcer sur le freezer, ça veut pas, voilà, je préfère garder mes cristaux pour du Gohan, parce que là c'est abusé, là, franchement c'est abusé, je préfère faire du Gohan, et je pense qu'on ira en live en fin de soirée, voilà, aux alentours peut-être des 18h, quelque chose comme ça, on ira en live et j'irai directement sur le Gohan, voilà, j'irai sur le Gohan, c'est dommage qu'il n'y a pas l'appétit sur le Gohan, ça par contre j'ai un peu le seum. La vérité, j'ai un peu le seum, mais voilà, j'ai 5000 et quelques cristaux, donc on pourra faire le tour d'un step-up. On ira également faire du PVP. Enfin, attendez, je dis en live. Non, peut-être pas. Peut-être que ça sera une vidéo, parce que c'est vrai, j'ai du monde qui vient à la maison. Bon, bref, on verra. Soit il y aura une vidéo sur le Gohan, soit un live. On verra en fonction de ce que je peux faire. Et puis bon, bah voilà, soit on garde les cristaux et on économise, on verra bien. Les amis, max de pouces bleus sur cette vidéo. C'était le shaft ultime. Franchement, ça fait mal. 4500 cristaux, je me demande pourquoi j'ai mis de l'argent là. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire si vous avez eu le freezer LF ou non. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non! Yeah!